Donc, maintenant, qui situation pays a mette, nous, et ça que fait m'sot d'où tout à l'heure, m'pa comprendre que n'a pas les pays, ça a gen bourgeois, gen grand nègre, gen millionnaire, gen ceci, gen cela, parce que yo tout, m'pa comprendre, ouais, c'est pas un pile qui doit gen hélicoptère, yo tout le yo descend la ville là, c'est même calvé ça, yo obligé passer, parce que là, pas gen yon kapra la rentire yo, même si yo sou blende, yo papa rentire yo, facile pour yo prendre la saline ou bien prendre belè, j'en y a d'ailleurs belè, même si vous voulez passer ou pas ka passer, pour diable malere yo, en pile nan yo obligé faire barricade pour empêcher gang vin touye yo le soir. Donc c'est situation ça que n'a gen, et nous te wè un NDDH hier, Pierre Espérance, qui dit que Jimmy Cherizier c'est seul ou an pays ya. Donc li gen contact direct, palais national, tout ça l'a fait aussi au service de palais national, et ça vin pi grave que RNDDH dénoncé hier, nan micro intersection, Pierre Espérance dit, pas lui seul, SPNH tout. SPNH, syndicat SPNH lacté là hier, il dit que qu'on y a dit Michéry, j'ai passé inspection générale la police l'ode. En ce conseil de policiers sous sanction là, c'est parce que dit Michéry, j'ai porté plainte pour eux. C'est dit Michéry, j'ai dit, nex a mérité sanctionné, gagne en prison, gagne transféré. C'est ça tout le monde a dénoncé, mais qui pays n'a vive. Et c'est même Jovenel Moïse, pendant l'Igon Inspection Générale, a passé l'ordre sans doute directement pour faire des ordres pour lui, pour satisfaire Jimmy Cherizier. Tout policier qui était à l'accompagner Jimmy Cherizier dans la distribution kit alimentaire que Faez voyait comme l'État voyait Bali, eh bien, policier ça au côté. Est-ce que nous tendez yon jambes sous sanction? Donc nous ne comprenons qui yon, qui enquête qui était mené d'ailleurs. Nèg yo au vu au sud de tout le monde, photo yo blaï sur tout réseau sociaux, ça que c'est facile, ou pas besoin go enquête pour joindre yo, nous konn ki unité que t'es là ce jour là cal sécurisé. Ba même qu'a dit et kit alimentaire yo et distribution yo t'al sécurisé barbecue pour le capable fait travail li pour paraître comme un leader social tant que j'en mange a bay la c'est Jimmy Cherizier k'a bay li et gal laisse ça tout monde a comprendre que bon papa c'est li voilà beaucoup j'aime croire que la république j'aime tomber dans un état aussi bas. Beaucoup j'aime t'entendre me toujours appli rapport droits humains tout tel t'ai éclairé fondation j'éclairé RNDDH tout l'autre yo me toujours appli rapport yo pas que j'aime ouais que yo à l'aise pour y parler de association liaison l'état avec gang armé dans pays là. C'est première fois nous arrivé non niveau aussi bas. Alors qui moun ki pral kwè président Jovenel Moïse l'el campé nan ponson denom nan pour un cortège men longue et puis il pral défier sa vie, il pral passer nan sa vie pendant temps ça l'el fin viré ou même pauvre malheur prend machine ou al passer. Et c'est ça que fait m'dou l'état ça son l'état défi, son l'état li prend toute force sécurité pays al metavel là le passé ça vient et de plus tout. Lianik ba un petit coup de fil ça vient, m'pral passer les âmes se sont tues et puis c'est comme si c'est sécurité a c'est peut-être l'il besoin respect à sa fait non. C'est Jovenel Moïse qui campe le dou oui bataille contre la sécurité a commencé jodi a là dans ponson de tout le monde ri Jovenel Moïse. Lizou li pral lagué là mais dans dengouen yo dans bouda yo pour me répéter propre mot président. Qui l'armée d'Haïti? Qui l'armée? Matin, on a fait une petite considération. Bon, où déployer l'armée, ça? Si on a un problème avec un citoyen, côté au pral jijil, qui ça cap régil? En rien du tout. La police nationale d'Haïti, nous connaissons force civile, c'est les astreint à même. D'accord, même réglementation, même condition avec n'importe police civile, n'importe citoyen. Mais ça, l'armée d'Haïti, et puis qui moyen, ça y a eu gagné. Président Jovenel Moïse prend pays à pour un bluff qu'on y a. Et puis il connaît lui-même, il a claqué de l'autre, il a besoin de sécurité. Mais il n'a pas ça, il a besoin. Ça y a besoin, c'est faire mon peur pour protéger le pouvoir, parce qu'il connaît le pape. Rien comme résultat dans le pays à. Donc c'est gang armée qui pour l'ac pour faire mon peur pour pas venir dit président yo pas vlil. Il connaît tous ces mêmes gangs ça yo qui pour assurer réélection bandit que pays a rejeté qui pas même qu'à faire bal
pièce côté, mais c'est yo comme si yo comprennent que yo ka forcer peuple là. Bon, c'est dans ça nous y est là et puis au journal international qui complice de mauvais actes de tout théâtre qu'a fait, c'est comme si yo pa connait qui république n'a vive, c'est comme si yo pa connait qui pays que Jovenel Moïse avec tout clan PHTK Martelly a créé pour nous. Et c'est ça que fait nous dit insécurité ou là qu'a pi grave encore après départ Jovenel parce que l'a fait toute sale qu'on est pour quitter une cigarette l'humain dans deux bouts pour nous. Parce que nek ça pas gen moun qui ka dit que le t'vinn pour bonheur nation au contraire j'ai l'impression au fond de lui chaque l'on opposant tomber comme ça le riche lui dit pas nous moi même nous t'a pas merdé et pas moi même nous t'a dit pays pas ni dirigé ni gouverné. Eh ben on accident passé prend nous c'est ça l'a dit dans quel en cachette et attitude yo même pas même en cachette encore yo presque parlé clair. Merci pour fidélité nous comprendre que indignation nous rive non point qui terrible parce que tout le monde a victime de ça qui passé à non seulement de vie ou même jour de gens à fonctionner de stress que ont créé dans tête ou et ou pas qu'on haïtien combien et années y ont retiré dans vie chaque haïtien dans gens que ont condamné pour nous vivre là. Nous saluons tous les amis qui attendent toute radio partenaire yo, nous saluons tous les amis qui en bas live là qui gentan a fait nous sentir nous pas oublier moi gon écran devant pendant m'a parler à là m'a regarder toute réaction moi saluer même ça qui critique et bon en fait c'est ça nous besoin pour avancer. Merci et puis toutes qui vraiment étaient fidèles à veine c'est vrai et nous prend plaisir pour nous partager moment ça avec nous là jusqu'à une heure comme chaque samedi d'ailleurs. Merci de fidélité, merci à toute radio que nous en province, que nous en capitale là, que nous dans diaspora, même si nous pas qu'à citer toute Radio Transparence et qui dans Sodo, député Romuald Smith, Radio Télévision à Carajou, dans Alaska Obas, Radio Liberté dans Limbé, Johnson François, Radio Maximum FM dans Boston, Charité Tello, Radio Concorde Boston à Sérôme Jean-Charles, nous saluons Radio de la Communauté La Chapelloise à Sérôme moi pas oublié pour numéro 1, m'a fait mon nan relé, Radio La Voix du Seigneur dans Jérémy 99.1, Radio Kina Akin, Télé Tête Ensemble, Fort Myers, Radio Voix, Mercier Hippolyte, na Florida, Radio Symbole, na Cavaillon, Radio Télé Rossignol, na Cerca Cavajal, Radio Télé Oua, Petite Rivière de l'Antibonite, Radio L'Union, Saint-Marc, Miroir Inter, Boucan Carré, Radio Repo, Boucan Carré, Radio Tweet FM, Jacques Mel, Radio Maguana, 102.9, Mort Organisé, Radio Maguana Nord-Est avec sénateur Ronald Larèche. Nous saluons Radio Classe FM dans Brockton, Massachusetts, Radio Télé Nativité 101.7, Montbin Crochu, Haïti Publicité Ketner Steven Queens, Long Island. Nous saluons Radio Métro 104.5 Saint-Michel de la Palaye, Radio Pérédon Inter 98.7 Pérédon Marigot, Radio Joams FM, Las Caobas, Radio Rêve 2000 et 99.7 7 Bassin Bleu, Radio Téléga Max Live, dans Montréal, Radio Constellation 99.5 Belader, Radio Marmelade Inter, Marmelade Radio Villa de Castor RVC 89.1 Jonc-Dodin Aquin, Radio Bruno 88.3 Belance, Radio Bonzenzen, North Miami Beach, Florida, Radio Fraternité 98.5 Port Salut, Radio Génération 80, 88.9 Port de Paix, Radio Haiti News, New York, Marmelade, Radio Victoire FM 101.3, troisième section commune Marigot, Macari, section Macari, Radio Compact FM 101.1 en Sapitre, Radio Mélie 101.1, Jérémy, sénateur Sorel Yacinthe, Radio Terra FM, Jérémy 89.9, Radio La Prophétie, dans Beaumont, Radio Graffa, dans Marie, Radio Perfection FM, Port de Paix, Radio Modèle, Spring Valley, Edzer Valentin, Radio Dame Marie, Télé 1804 Haïti.com, New York City, Don Rocher, Radio L'Antibonite 103.3 Saint-Marc, Radio Dani FM 107.3 Goumon, Radio Rayon 98.3 Marchand des Salines, Radio Feelings 91.5 Limbé, Radio Ozone 2000 107.9 Verrette, Radio Antibonite International New Jersey, Radio Tropical Inter 95.9
Cap-Haïtien, Radio Fantastique 95.7 Port-Mago, Radio Famille Inter 95.9 Petite Rivière de l'Antibonite, Radio Télé-Campèche 95.5 Las Caobas, Radio WanaVision 88.9 WanaMet. Nous saluons sénateur Jean-Baptiste Bien-aimé, Radio Mosaïque FM 88.1, Guyane Française, Radio Préférence 107.5 Petit Gouave, Radio Communauté Haïtienne, Bradenton, Florida 1490 AM, Radio Levé Campé 88.1, Hinch, New Jersey, Radio Fraternité 93.5 Port Salut, Radio Planète 99.9 Cap Haïtien, Radio Francique FM 109.5 Vineland, New Jersey, Radio Royal Fort Liberté 105.3, Radio Pyramide Inter, 91.9, 7 Long Island, New York City, Radio Long Island, New York, Radio Avancement FM, Saint-Raphaël, Radio Mix Family Aquin, Flambeau Inter, 104.1, 4e section, Savannah Roche, Radio Antibonite International, 99.3, New Jersey, Radio Passion FM, 98.5, Mirambalais, Radio Vista, 95.7, Bombardopolis, Radio Fantastique, 95.7, Port Salut, Port Mago, excusez, Radio Tropical Inter, Cap-Haïtien, Radio Télévision, Tropical Inter, c'est 95.9, Radio Télévision RCH 23, 107.5 Miami, Radio Delta, 105.7 Saint-Marc, nous, campé là, et l'autre, qu'on est, que nous pas qu'à bailler tout samedi, nous avons l'autre volume radio encore qui relaye, qui fait route là, ensemble avec moi. Voilà, nous saluons toute équipe là qui a fait route là ensemble parce que ramasser, ce n'est pas seulement l'affaire de Jean-Bonard Metellus qui est au studio, c'est l'affaire de toute une équipe, Lovensky jeudi, qui nous assiste à la technique et puis Junino Koda, Juninho qui a fait son travail extraordinaire dans live là pour permettre, hier, tu as eu pile difficulté, intersection pas de fine. Et sous réseaux sociaux à cause de quelques petites difficultés que nous avons et confrontés, mais tout est rentré dans l'ordre. Merci à toute équipe là qui fait diligence pour toute bagaille correcte. Voilà, alors moi te mandé mon yo, indignez-vous, suspend accepter l'inacceptable. Nous pas cap vivre, pas cap dit un coup bête parce que bah histoire bête déjà, gain des chiens, comportement, attitude et gens moun traité yo, mon cher Pito, yo te traité haïtien tant coup yo traité chien même ici oui dans quelques foyers voire pour à l'étranger. Indigné, nous pas cap d'accord pour l'État, avec deux, trois routes nous gagnons pour le prendre, et gang, contrôler, et là-dedans, et puis, tu restes là, n'a pas coincé comme nous chaque jour, n'a pas passé 4-5 heures de temps, bouler gasoline, bouler diesel, à polluer en environnement avec la fumée, etc. Et puis, pour être sur route là, mes amis, machine qui pas gagne, nan, et cap chauffer, et là, chauffer, bloquer route là, là où qu'on est, où tout mêlé. Et ces citoyens, faut nous saluer, des résidents, et malheureux dans la zone, nan, c'est eux-mêmes qui bloquer ça, fait ça, ouais, s'ils font petit marché, yo extraordinaire, c'est solidarité haïtien à haïtien qui a fait que nous avons traversé moment ça, même penser le mieux pour nous, c'était que nous camper. Nous camper, nous disons, pas pral travail, nous pas pral l'école, nous pas pral pièce côté, pour l'État dégager, nous créer conditions pour moun vivre. À ces gens qui vivent là, nous pensons, nous vivoter et nous tous condamner pour nous disparaître, yon après l'autre, et puis pour nous permettre que bandit légal, yo prend pays à faire ça, yo vle. Voilà. Une note plus ou moins positive que nous gagnons. La goutte, depuis quelques temps, nous, ouais, qu'a reprend pied. Ah oui, la reprend pied par rapport à dollar américain. Gampil, moun ki pa ka expliquer ça. Oui, c'est une très bonne note. Nous t'a souhaité que ça t'a continué comme ça. Parce que pays, ça a gagné tellement de mauvais bagailles pour annoncer le gonti bagay qui vini, qui baye bon au cœur comme ça, nous obligé saluer li. Alors, pas oublier que BRH te prend disposition pour te injecter l'argent dans
et sous marché à 150 millions de dollars et l'étape injectée graduellement et chaque semaine nous à 47 millions qui injectés déjà. Ajouté à ça, conseil de banque commerciale privée sur la place et qui était oublié toute l'autre vocation que vous gagnez en tant que banque commerciale, c'est dans affaire achat et vente dollars. Donc vous gagnez intérêt puisque les bons chiffres que Mounsayo fait en un rien de temps n'a fait vendant 4 jours seulement banque commerciale a fait 47 millions de dollars et on dit là on t'a dit ténor nan question ça lui même dans 47 là il t'a fait 24 millions de dollars en 4 jours nous ca comprendre avec course effrénée vers le dollar de banque commerciale qui était supposé aider marché à stabiliser nous comprendre dans condition ça toi a toujours grimpé tête nègre. Alors banque centrale était pour mesure salutaire elle était sanctionnée de Nayo Unibank pour 868 millions Capital Bank 4 millions nous pas connait si c'est tout effet ça yo qui ba un petit crasse résultat ajouté à ça bon en tout cas nous ouais banque centrale qui chita avec ministère commerce qui chita avec premier ministre là pour yo et redit encore parce que mesure ça était déjà prend que les prix doivent être libellés en goud. Bon, moi ouais, ministre commerce là qui bay conférence pour bay garantie que yo pral mettre fait tout ça yo connaît y compris mettre inspecteur dehors pour ça arriver fait mais nous connaît nous t'es habitué à ça déjà. Alors on va voir ce que ça va donner mais le problème c'est que même si banque centrale ta font effort vraiment pour stabiliser prix et puis casser parce que jodi a là c'est à peu près 106 106 et 106 goud 52 points dollars donc li font et goud là font bon extraordinaire en quelques jours seulement par rapport à dollar mais stabiliser kembel comme ça c'est pral extrêmement difficile en raison de mauvaises décisions politiques qu'a prend en raison de insécurité galopante que nous gagne dans pays a en raison donc des dirigeants politiques qui pas inspiré confiance qui continuer nous wel nan la tibonitier a fait promesse que ou pa ka kembe c'est tout bagay sa ou pral créer instabilité a et qui pral créer et m ta kap dou et m'ta kap di volatilité et taux de change là. Alors mais quand même c'est une bonne note qu'il faut plus ou moins mettre à l'actif de la banque centrale. En tout cas, nous souhaiter que peut-être ça continue comme ça. Et puis n'a pas entré dans actualité hein? Et oui, n'a pas entré dans actualité hein? Et merci Assad, merci. Et bon, qui dit me l'acheter dollar 5 goud, c'est bien, c'est bon, si le cas descend toujours, c'est top correct. Oui, l'autre fait dans actualité hein? Ah, on fait moins matin, on vient bonheur. En tout cas, l'autre fait dans actualité a gagné changement dans l'église catholique matin au niveau de diocèse Port de Paix. Merci exil Noël Mogé qui t'a communiqué information si là gagné et non et diocèse Port de Paix gagné Charles Peters Barthélus qui pral et nouvel évêque non Port de Paix et cérémonie intronisation n'a fête d'ailleurs matin dans diocèse et Port de Paix l'a remplacé monseigneur Antoine Polo qui lui-même pralé à la retraite, lui certainement frappé par la limite d'âge, c'est comme ça ça fait. Alors nouvel évêque Port de Paix, c'est désormais à partir de matin, c'est pral Charles Peters Barthélus. Merci, ces informations nous ont été communiquées par notre correspondant sur place exil Noël Mogé et puis nous avons salutations particulière pour nouvel évêque là puisque le sorti dans département PAM dans plateau central
Nous souhaitons réussir dans mission sacerdotale qu'on pour l'Église en général, l'Église catholique en général. Voilà. Et puis, l'autre fait dans l'actualité, nous connaissons le presque entièrement dominé par situation d'insécurité, nous avons dit qui gagne dans le pays avec semaine ça qui était en pile mouvement et barreau de toutes les, m'envie dit, de toutes les 18 juridictions du pays. C'est vrai qu'il n'y a pas de temps de t'en marche, alors pas de temps de organiser directement, tant qu'on ne pas connaître les quoi des bouquets organisés par l'Alcaté, fait pas de songer, mais quand même, nous connaît que, et en pile, avocat n'en barreau, quoi des bouquets ont été en marche, Port-au-Prince là tout. Donc, yo soulevé, yo indigné, yo gain qui même menacé, pour pas ta reprendre travail tout autant président Jovenel Moïse pas quitter pouvoir parce que de plus en plus de voix a pleuvé dans pays a pour dire et assassinat Montferrier d'Orval son crime d'état. Alors pour peut-être monde qui pas trop comprendre ça vous l'ai dit c'est pas l'état fait partie de insécurité générale comme si frapper un bandit rentré que t'es besoin voler ou bien un règlement de compte dans mon amour ou bien l'autre problème là on dit son crime d'état ça veut dire son bagaille planifié par le pouvoir parce que moun ki t'a parlé à moun ki t'a dit pays ça pas ni gouverné ni dirigé moun ki t'a dit que Jovenel Moïse pour qu'on parle s'allier pour le comprendre que le cas change en constitution moun ki t'a dit que élection pas possible dans contexte nous hier journée jodi an et ben moun ça a peut-être dérangé voilà c'est en pile et institution organisation qui opiné dans sans ça, si nous avons commencé à essayer de rapporter propos à eux, nous avons que, par exemple, matin encore, m'attendais et sénateur Jean-Renel Senatus qui dit pour lui, avec un bon fait troublant, nous songer lundi dernier, m'te prend temps pour m'te relever ces faits troublants, et bien l'ensemble de ces faits troublants, et à savoir, zone dans son zone qui t'a doué stérile, puisque président c'est l'alrité, zone qui passe qu'on vraiment gain blackout, et puis c'est dans un moment crime ça, pral commettre la gain blackout, zone ça tout qui t'est donc priorité d'État, comme on me fait à l'aise pour aller là-dedans commettre crime, et ça pral arriver encore que nèg pral tourner pour venir souiller, et m'ta cap dit, et lieu du crime, yo rentré en dedans caill là, yo bagay barrière, yo rentré, yo prend bâton, yo font bonne bagay, commissaire gouvernement que scène crime ça, lieu crime n'a été doué sous responsabilité, c'est 3-4 jours après le prend aller pour le constater côté le teyé pour qui ça yo prend tout le temps ça et pour qui ça pas de gain de zone même genre. Tout haïtien habitué ouais ça yo ouais dans cinéma tout partout le gon crime qui commet pas même besoin son bâtonnier et ben yo sécuriser zone là yo établir un périmètre de sécurité, mon cher, ou pas n'importe qui pour entrer dans périmètre de sécurité, ça, tout fait ça, c'est de fait troublant, tant que vous avez les bagages la table commettre là, gagner un feu d'artifice, c'est comme si, pour couvrir, bruit à mieux, pour pas attendre qu'on bagage à fait, tout son bon fait troublant, que nous pouvons comprendre, et cap passer là, et c'est tout fait troublant, ça, côté, sénateur Jean-Renel Senatus, pour le dire, les pensées entre 70 à 90% sont crimes d'État. Même Jean et RNDDH qui parle de crimes d'État et qui appelle le Baou à porter plainte contre le commissaire du gouvernement. L'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats, maintenant Ferrier d'Orval, est un crime d'État, selon le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance. Il justifie sa thèse d'abord. Les assassins de Maître Dorval n'auraient pas pu le faire aussi aisément s'ils n'avaient pas eu le contrôle de la sécurité de la zone habitée par le président de la République, Jovenel Moïse. Sinon, il serait très difficile pour les criminels de quitter la zone. En plus, le fait par le commissaire du gouvernement d'attendre 4 jours plus tard pour retourner sur les lieux d'un crime aussi spectaculaire
Et suspect, ce faisant, est-ce qu'on voudrait en profiter pour brouiller certaines pistes? Questionne le militant des droits humains. Selon Pierre Espérance, le commissaire du gouvernement devait se rendre le jour même avec la police scientifique pour faire des prélèvements sur les lieux du crime. Autre question posée par le défenseur des droits de l'homme, pourquoi le commissaire n'a pas procédé immédiatement à l'arrestation des policiers auxquels il avait donné la charge de sécuriser la résidence du bâtonnier? Le fait de soumettre les agents en question à une enquête de l'inspection générale au lieu de les arrêter ipso facto est une autre preuve qu'il s'agit d'un crime d'État, a renchéri le défenseur des droits de l'homme. Pierre Espérance se dit par ailleurs choqué d'entendre le commissaire du gouvernement sur des stations de radio en train d'orienter l'enquête menée par la DCPJ. Tenant compte de tout cela, le RNDDH croit qu'il a raison de croire qu'il s'agit d'un crime d'État. Il invite donc les avocats du barreau qui ont annoncé qu'ils se constitueraient en partie civile à porter plainte contre le commissaire du gouvernement Gabriel Ducarmel pour son comportement jugé suspect. Selon le premier ministre Joseph Joute au téléphone, joint par téléphone, et trois personnes ont été arrêtées, dont une en possession du téléphone portable du bâtonnier. C'est sa Gazette Haïti rapporté. Alors, même sous question téléphone que vous joignez, etc., ou après sous tous les réseaux sociaux, nèg yo fin professionnel, yo fait photo pantalon dans la terre, poche li, et yo montre que bagay sa ak nan poche li a ki bien paraître nan pantalon, y pa kapon on l'autre bagay ke téléphone. Et le sa, c'était au moment du constat du juge de paix qui t'a fait vers 1h du matin, le lendemain, l'aime dit le lendemain, crime nan fait dans la soirée, vers 1h du matin. Au moment yo t'a fait et constat c'est comme quoi yo te ouais téléphone dans la poche d'Orval, ça veut dire li pat ken perdi. S'il t'a sorti, c'est yo même encore que t'a prendre pour t'a peut-être effacer quelques éléments qui seraient compromettants par quelques moun et qui est-ce qui gagne accès à sem de crime ça, ou même ou ka poser tête tout question. Et dans marche que nous avons parlé que avocat ont fait dans plusieurs juridictions ici à nous te rapporté au CAI, nous te gain Gonaïve, nous te gain Saint-Marc, te gain les CAI, te gain Jacques Mel pour me citer ça yo seulement, yo identifié yo protestataire yo identifié Jovenel Moïse comme le principal commanditaire de assassinat ça. Donc Port-au-Prince c'est dans zone rue Rivière qui ont été parti et ils ont fait tout parcours d'ailleurs ils ont été venus juste devant radio a passé Champ de Mars, ils ont tout été gagné presque même criant son crime d'État ça commet là tellement gain de réaction par rapport à bagaille ça. Donc à constater comment m'oblige à fêter pour m'ta juste et ouais comment qu'a considéré Jean-Aubert Hagan qui dans collectif et 4 décembre qui dit il a fallu une soixantaine d'années pour l'édification du temple du savoir et de la compétence que fut maître Montferrier d'Orval. Éminent juriste, maître Dorval s'est hautement illustré dans sa profession d'avocat et dans sa passion de la transmission de son savoir à de nombreuses générations de jeunes haïtiens, 64 ans, pour se poser haïtiens valeureux, patriotes, en un rien de temps de sordides voyous planifient et l'assassinent au fin de leur macabre ambition. Le collectif du 4 décembre et ses alliés s'inclinent profondément devant la dépouille de cet homme de référence. Le collectif du 4 décembre et ses alliés se révoltent devant ce crime odieux et condamne les commanditaires comme les exécutants responsables de cet assassinat. Justice est due à Maître Dorval, justice est due à toutes les trop nombreuses victimes de violences et d'homicides. Que les responsables d'État assument enfin ce minimum de leurs devoirs légaux. De leur côté, convaincus
dans leur lutte pour l'établissement d'un état de droit. Le collectif 4D et ses alliés, sans être naïfs et dupes, s'attendent à ce que justice soit un jour rendue. Ils présentent tant en leur nom qu'en celui de la société civile saine et patriote d'Haïti leur sympathie à la famille de ce éminent juriste que les incultes nous ont ravis, aux avocats de l'ordre dont Maître Dorval était le bâtonnier, aux étudiants auxquels a ainsi été enlevé la chance d'acquisition de certaines valeurs édifiantes et immuables, et finalement à tous les citoyens haïtiens dignes de l'être. Que triomphe la justice, que l'âme de Maître Montferrier d'Orval repose en paix. Que vive Haïti, Jean-Aubert Argan, coordonnateur général. Collectif fait 4 décembre, c'est vraiment en pile note d'indignation que nous comprenons toute semaine. C'est ça, nous fait, nous pouvons guetter en lit tout. Parti politique, regroupement, parti avec organisation politique, organisation société civile, en d'un coup de pays avec un pile personnalité qui formait, concertation patriotique là, apprendre avec un pile tristesse, nouvelle, en mort. Maître Montferrier d'Orval, bâtonnier lors d'avocat Port-au-Prince dans la nuit du 28 août 2020, Maître d'Orval mourit assassiné dans Pèlerin 5 dans une zone qui tout près, résidence président Jovenel Moïse. La mort bâtonnier d'Orval, c'est un crime qui frappait tout avocat, juge, greffier avec l'autre même système judiciaire. Constatou l'écrasé même société a qui constatait yon caravane la mort programmée à marcher si main deuil chaque jour et plus. Pour année 2020, yon la trié moun déjà victime en babal et puis assassin yo ap flanè libe libe. C'est une situation insécurité généralisée qui déchire famille ou dévore quartier populaire au secteur paysan ak toute couche société a kap compte cadavre jeune, ti bébé, femme enceinte, professionnel toute caline. Concertation patriotique la condamnée à criminel, planifié population a subi et qui questionné attitude chef dans l'État. La profité rappelé parole l'an mort président Jovenel Moïse, gros menace li fait autant coup, gen 7 têtes qui pou couper dans pays. Machine nan a craser tout monde qui campé sous route li. L'a demandé est-ce que ces projets ça cap exécuté. L'an mort, Maître Dorval suspect en pile, liquide gros qui est cassé dans la société. Concertation patriotique là à pas prendre, gagné yon liste qui préparé avec nous en pile tête dans l'opposition politique là, yon doit éliminer. Responsabilité ça, c'est pouvoir exécutif là qui porte parce que c'est lui-même qui a un mandat constitutionnel bali pour protéger vie tout le monde dans le pays. Concertation patriotique là a invité tout dirigeant qui a une position publique sous mauvaise gestion pays à rete veatif. Palage koyo, nous devons camper jam pour faire face carré à la machine la mort. Nous pas qu'à camper, garder massacre avec violence économique, violence électorale, violence politique qui prend forme normale chaque jour puis plus dans la société. La concertation patriotique là a présenté ses partis libres, les familles Maître Dorval, Baro Port-au-Prince, Fédération Baroyo, à tout le monde la mort ça a révolté. Livoye sympathie tout, toute famille, avec amis, grand monde, petit monde, garçon, femme, machine la mort déjà broté à les coups sous coups sans garder derrière l'écrasé Robert Jean-Wilner Bobo, Franz Adrien Boni, Michel Sayé, Obelson Pierre, Godson Pierre et Joseph, yon bébé 4 mois, Marie Jona Fleurimont, yon tilez en 8 mois à qui yon latrié l'autre monde sans compter inspecteur formateur ça, inspecteur instructeur ça, dans l'académie qui est présenté comme meilleur SWAT dans Caraïbes blanc qui mourit avant hier dans Léogane et qui est relé Kadhafi. Sassinat et bâtonnier lors d'avocat Port-au-Prince doit interpeller conscience tout citoyen, tout professionnel, tout acteur politique pays. Pas qu'à continuer dans des gangolades ça, yon groupe moun sans conscience planifié pour lui. Dernier parole bâtonnier, c'était pour le dire, tête moins, pas pour moi. Moins pour pays, moins sacrifier tête moins pour servir pays, moins aimer pays. Est-ce que servir pays ou c'est marcher sous 13 pour papi les 14? Est-ce que engager à parler vérité doué yon cause la mort? Est-ce que liberté la parole là vin tourner yon rêve? Yon paquet de questions nous te ka poser tête nous
jodi a. Concertation patriotique la révolté devant Zak Sayo qui répétait trop dans pays a dernier coup ça doit déclencher soulever indignation pour société a assez c'est assez pays a bouqué compte capable pouvoir en place là semblait perdu contrôle quantité de l'eau yo mette dans j famille yo. Nous pas jamais entendre ministre intérieur ministre justice la sécurité dans situation malouk Sayo si ou pas complice yo doit sortir tête yo freiner machine la mort parce que c'est responsabilité pa yo sorti la saline passé mentissant et ça vient gantier rivé cité soleil pour bout nan pèlerin sous maître d'Orval nous dit assez moment que les épaules là rivé tout secteur dans société a doué camper pour camper malédiction ça qui tombé sous pays à concertation patriotique là dit non bagay ça pas doué continuer mettez âme dans même monde qui pas gagné qualité pour porter âme assassiner moun, fin jeunesse la tourner et jobé exam, c'est touye Haïti. Peuple haïtien, pote kole, supporte tout haï action, différents secteurs planifiés jou sa yo pour dire non, moun ki tombe yo te ka fami nou, zami nou, zantray nou, nou tout concerné, nou tout en danger, en avant, réveille nou, pas gen place pour ça kap gade derrière. Pas gen place pour nous rete dormi là. Haïti besoin tout petit liyo, en dan koude yo, faut que nous makone force nous ensemble pour nous goumen contre criminels, pour nous avancer ensemble en rang serré devant tout malfecteur assassin dictateur a kamete glou nan genou, mise nan assiette nous, ak rase nan poche nous. Vive Haïti, victoire c'est pour peuple là et pour concertation patriotique là, Edgar Leblanc fils OPL, Edmond Supplice Bossil, Fusion, Yuri La Tortue, AAA, Paul Denis, Uniforce, Majorie Michel et SDP, Secteur démocratique et populaire, et Serge Jean-Louis Mopod, Claudie Donnet, Changé, Yuri Chevry, CAM, Sorel Jacinthe, Unité, c'est toute structure politique ça qui met ensemble pour signer notre SILAM. Alors, il y a plusieurs organisations, notamment femmes, femmes, dans OPL, et qui voyaient note pour yo dénoncer sa caprivé, mesdames yo nan Bel Air, les déplacer, mesdames yo qui a violé, assassiné, dans toute zone côté gang a fait la pluie et le beau temps, mais dans Bel Air, yo, non seulement les noue au champ de masse, mais yo violé yo tout. Donc, femmes nan OPL dénoncé ça, il y a plusieurs autres organisations qui fait même bagaille là. Et puis, il y a un cabinet huissier, Romuald Grandpierre, qui dit, c'est tête chargée, Haïti a connu des moments de peur, de regret, sans pied, encore moindre avec tête, que ça crime d'assassinat sous personne estimable bâtonnier l'ordre des avocats de Port-au-Prince, mettre Montferrier d'Orval, son perte catastrophique, douloureuse à nul autre pareil pour le monde de la Bazoche en général et pour famine. Donc, il n'y a pas qu'à arrêter indifférent face à crapuleux, désastreux, ça, cabinet, et huissier Romuald Grandpierre et dit l'absouffri, l'indigné par pète ça, on pète additionnel par rapport à tout ça nous déjà perdu et le fait de voile pour présenter sympathie à tout membre corps judiciaire de grade, rang et qualité ainsi qu'aux parents et alliés affectés par ce départ regrettable et indignant. Courage encore à la famille proche du défunt, maître Montferrier d'Orval, maître Romuald Grandpierre, huissier de la République affecté au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Donc, c'est Cabinelli, pour diable, Romuald Matin, vini bien bonheur pour porter notre indignation, ça, et pour nous. Alors, l'autre point d'actualité à pas oublier, c'est vrai, nous sommes connus toute une semaine d'activité avec l'Amosa, mais c'est pas qu'au fini, puisque il y a plusieurs, notamment des étudiants, qui ont annoncé l'autre marche pendant ce maintenant encore lundi, il y a l'autre marche et par exemple, rectorat, Université d'État d'Haïti, qui a annoncé trois jours campés, pour protester contre l'assassinat, M. Montferrier d'Orval, qui est un professeur dans l'université, et pour l'autre étudiant,
mémorant tout mourir bon avec un pilote que nous ajouté pour rectorat parce que bagayo vraiment terrible situation que nous vivons. Et journée jodia Lionel Jean Lionel Mathurin salio et nous salio zanmim et pas inquiéto demain m'a fidèle au poste pour m'tendre émission Tropicana qu'on est que me pas raté zanmim merci en pile et puis sous question assassinat M. Dorval toujours on nous dit Inop écrit Haïti saison d'anomie en hommage à M. Montferrier Dorval. J'appartiens au pays, j'aime ce pays et je fais le sacrifice de ma vie. Montferrier Dorval qui t'a dit ça, ce sont ses dernières paroles. Les assassins sont dans la ville, ils volent, kidnappent, violent et tuent. Parfois, sous le regard indifférent des responsables de l'État, dans certains cas, en raison de leur impuissance et de leur incompétence, et trop souvent avec leur complicité directe sous le regard complaisant de l'international. Ils endeuillent les familles et poursuivent la course effrénée vers la destruction total de ce qui reste encore d'économie, la déstructuration d'un tissu social déjà fragile et la déshumanisation d'une population confrontée quotidiennement au spectre affreux des viols collectifs, des pires sévices corporels et de la mort. Ce train de la mort met à nu la déliquescence institutionnelle qui caractérise le fonctionnement actuel des structures étatiques, mais surtout une haine de ce pays et de ses citoyens par des dirigeants, leurs familles et alliés, soucieux uniquement de la pérennisation de leur position de pouvoir, instrument d'une accumulation éternellement primitive de capital. Cette machine infernale qui tue et blesse par de petits accidents provoqués, c'est aussi le regard de l'autre qui pense que ces gens-là peuvent s'entretuer sans conséquence sur la marche du monde. Yon, c'est président qui t'a parlé de petit accident. L'autre là dit, c'est vanupier, yon a tué, yon tué l'autre, ça pas déranger, c'est l'Occident. Cette machine infernale qui tue, ouais, nous reprend, et blesse par de petits accidents provoqués, c'est aussi le regard de l'autre qui pense que ces gens-là peuvent s'entretuer sans conséquence sur la marche du monde. C'est donc sans étonnement qu'au mépris de cette tuerie, de ces viols, de cette gangstérisation du territoire, l'autre, avec une apathie déconcertante, vient au secours de cet exécutif failli, prétextant une injonction pour la réalisation des élections. L'étranger. Les Haïtiens seraient à la fois pauvres, noirs et bêtes pour ne pas comprendre que c'est un soutien à l'inacceptable au-delà de la tombe. Montferrier Dorval a dit non. Le pays n'est ni gouverné ni administré. De cet homme avisé, c'est la reconnaissance d'un État failli et il en est une victime emblématique. En effet, les faits parlent d'eux-mêmes. Ce territoire balkanisé suppure les larves de cette déchéance sociale, de la déconstruction systématique des socles fondateurs de notre vie en communauté, par voie de conséquence du système politique érigé par nous pour la gestion de notre bien commun, il n'en reste à peine qu'une forme travestie. Les forces de l'ordre dépassées assistent impuissantes au défilé public de jeunes hommes armés non loin du siège principal de l'exécutif du pouvoir, de l'exercice du pouvoir exécutif. Et trop souvent, lorsque par accident, l'un de ces seigneurs de guerre se fait appréhender, les démarches en haut lieu se multiplient pour sa remise en liberté. Dans cet état en pleine déliquescence, on en a cure des formes. Un premier ministre rempli de lui-même offre un spectacle digne d'un théâtre de vaudeville à la télévision nationale. Il invective, humilie, traîne dans la boue le directeur de la police, le responsable en chef de la sécurité du pays
et les hommes de loi fuient le palais de justice, le bâtonnier de l'ordre des avocats, juste avant son assassinat crapuleux, exigeait le déplacement du siège du bâtonnat, c'est l'absence de gouvernance. L'économie n'a pu résister aux secousses de cette turbulence politique et sociale. Le taux d'inflation a grimpé de 10,9% en janvier 2018 à 23,4% en juin 2020. Le taux de change pour un pays qui importe plus de 50% de ses produits de consommation de base fait frémir les ménages haïtiens. En effet, ce taux de 80,08 pour un dollar en octobre 2019 a dépassé la barre de 100 gouttes pour un dollar au mois de mai 2020. Les plus avisés, comme Maître Dorval, sont bien imbus des conséquences d'une gestion financière branlante de la chose publique avec les 34 milliards de gouttes de financement de la BRH au deuxième trimestre de l'année fiscale. Les familles les plus vulnérables sombrent dans la misère et les couches intermédiaires sans aucun moyen d'exiger un ajustement de salaire s'accommode des places de plus en plus importantes dans les poches de pauvreté urbaine et se contente de traverser avec lassitude des jours sans joie dans cet Haïti qui disparaît sous nos yeux impuissants. Quid de l'administration de la chose publique? Élection à tout prix. En plein dans cette descente aux enfers, des consultations sont enclenchées par le pouvoir en place pour la formation d'un conseil électoral provisoire. Et justement, Jovenel Moïse, dans la première page Nouvelliste, dit un nouveau conseil électoral et une commission pour une réforme constitutionnelle pour très bientôt. Pour très bientôt, selon Jovenel Moïse. Donc, en plein dans cette descente aux enfers, des consultations sont enclenchées par le pouvoir en place pour la formation d'un conseil électoral en vue de l'organisation des prochaines joutes électorales. Et pourtant, à quelques mètres du palais national, des groupes armés opèrent, tuent, blessent, incendient des maisons au Bel Air, seulement un jour après la mort du bâtonnier. Peut-être pour changer le discours, élection à tout prix. Tout est relégué au second plan. Cela ne nuit aucunement que les forces sociales boudent la démarche. On peut toujours en forger d'autres. Secteur syndical, on peut soudoyer quelques syndicats jaunes. Secteur vaudou, chacun a ses mambos et ses prêtres, on peut facilement créer une nouvelle organisation. L'Église catholique, un ministre s'en est chargé et a fait croire au chef de l'État qu'il va gérer tout ça avec un évêque. C'est de cet environnement malsain et délétère que s'élève la voix de Mgr André Dumas, sans sourciller et surtout sans respect aucun pour l'institution ecclésiastique, nous apprend le prélat, un ruste fonctionnaire, ministre de cet État en déconfiture, offre un poste diplomatique au Vatican, à l'Église, en échange de leur envoyer à ce CEP fantoche. Maître Dorval disait, quelle que soit l'option choisie, il nous faut changer la Constitution avec la tenue des élections. Sous question, Mgr Dumas, et nous, ouais, et le chancelier qui dit que, Claude Joseph, qui dit que l'IPAT question de offrir d'île à Monseigneur. En tout cas, il nous faut changer la Constitution avant la tenue des élections. De fait, il faut partir sur de nouvelles bases. Lui aussi, il a voulu faire entendre raison et cela lui a coûté cher. Le départ forcé de Maître Dorval a été forcé de quitter la scène au milieu de ce cafouillis. Sa voix a peut-être résonné trop fort. Elle était trop puissante pour ses fossoyeurs de patrie. Pour s'assurer de son départ, ils sont revenus sur les lieux du crime, comme pour d'autres avant lui qui ont été fauchés. La nation ne peut s'accommoder de notes de protestation. L'exigence de justice est une nécessité pour la construction d'un état de droit. Les pays disparaissent physiquement avec le changement climatique, avec la guerre, mais autant par la dilution des mœurs, des institutions et des citoyens les plus armés à mener à bon port la barque nationale. Cette érosion
provoqué du paysage s'opère avec le départ d'un Mapou comme Dorval. Haïti, attention, nous sommes sur des rives dangereuses. L'INOP salue respectueusement le départ de ce voyageur de l'infini. Directoire de l'UNOP, 4 septembre 2020, papier l'UNOP, gain de monde, tankou, économiste Fritz Jean, ou bien agronome Johannes Gay, ou bien tout, en pile l'autre groupe, et citoyen encore, tankou, Zaminon, Gary, Denis, on ban, et paquet l'autre grand professionnel intellectuel qui fait et partie et de structure ça, tankou, Eric Pierre de la Grandance, tout fait partie de structure ça, que yo relé INOP. Et puis, pas oublier André Michel qui était estomaqué et a raison. Estomaqué, d'ailleurs, lui-même promet après la mort de Monferrier Dorval, il y a un bon monde, notamment président commission CNDDR, là, Jean Rebel dans le Sénat, président Jovenel Moïse et tant d'autres encore, que le pral pote plainte pour yo, parce que tout le monde cap mouri là. Pour lui, président commission dit c'est eux-mêmes qui la cause parce que dans l'interview qu'elle a dans plusieurs médias dans la capitale là, membre commission désarmement confirmé que la fédération des gangs G9 en famille alliée a été créée sur sa suggestion. C'est lui-même qui t'a proposé et puis il a créé selon Jean Rebel dans le Sénat, qui affirmait que décision de rassembler les gangs en une organisation pour faciliter le travail de la commission de désarmement qui cherchait à rétablir la paix dans les bidonvilles. Selon monsieur, ça permet que la commission ait un seul interlocuteur dans le cadre de son travail de désarmement. Et depuis la création du G9, les activités criminelles se sont multipliées dans le pays. C'est ça, Nouvelis rapporté tout. Au contraire, depuis création et fédération ça, c'est chaque jour mon ap tombé, chaque jour mon ap mouri. C'est la preuve que ont été créés justement pour le tevin et mettre confusion tout le monde pour faire pouvoir. Plaisir. Merci. Et puis, il y a un ministère finance qui dit l'IPA autorisé dépenses, l'IPA autorisé que les dépenses essentielles pour le reste de l'année fiscale. Ça veut dire bagaille yo red dans trésor public là. Donc, c'est les dépenses. Et non essentiel, il y a passé quoi sous yo? C'est dans le souci de ne plus aggraver le déficit budgétaire en ayant recours au financement monétaire. Le pouvoir en place a publié un arrêté en date du 31 août pour fixer la date de clôture anticipée des engagements de l'exercice fiscal 2019-2020. Selon cet arrêté, la date de clôture des engagements de l'exercice des entités administratives de premier et de second rang de l'administration de l'État est fixée au 4 septembre 2020. Passé ce délai, tous les dossiers soumis pour visa préalable du contrôleur financier seront irrecevables, sauf autorisation expresse du Premier ministre via le ministre de l'Économie et des Finances, peut-on lire dans l'article 1er. Le deuxième article parle des dépenses qui sont concernées par les dispositions précitées. Il s'agit des mouvements de personnel, sauf les transferts et les cessations, les mises en détachement et les mises à disposition, les achats d'immobilisation corporelle, les projets de contrat, sauf les projets de contrat de bail et ceux qui prendront effet au prochain exercice, les achats et services à crédit, les locations de véhicules, les fournitures et petits matériels de bureau. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a confié dans une interview à Gino 7 que ces mesures ont été prises dans le souci d'assurer la fluidité de la chaîne de dépenses et
de réduire au maximum le risque d'accumulation d'arriérés de paiement ou de retard de paiement dans le contexte socio-économique difficile auquel est confronté le ministère de l'Économie et des Finances. Toujours selon lui, le gouvernement n'aura plus recours au financement monétaire, mais fera du cash management dans l'objectif de respecter l'accord signé avec la Banque de la République d'Haïti et de ne pas enfoncer le pays davantage dans le déficit budgétaire. Les dépenses non essentielles seront assurées à partir de la prochaine année fiscale. M. Boisvert assure par ailleurs que la décision n'affectera pas le fonctionnement quotidien de l'État. Les salaires des fonctionnaires, les frais de carburant seront toujours assurés car seules les lignes non essentielles sont concerné. Alors, non, langage, pour petit peuple à comprendre, yo di yon bagay, que yo habitué di déjà, mais c'est parole nan bouche, li kon liye, a fait, gen des dépenses somptuaires qui non essentielles que l'État a pas fait, parce que situation finance publique la critique en pile, rentre yo, pas ça, yo te espéré, prévision de recette yo en baisse. Alors que nous sommes dans un document INOP là, comment données économiques, les indicateurs sont au rouge, gardez taux, inflation, etc. Dollar, c'est vrai, li et goud là, ont-ils font y apprécier, mais pour combien de temps? C'est ça, et nous t'as souhaité les durer plus longtemps possible, mais ce n'est pas donné d'avance, ce n'est pas une garantie. Pour ça et ta cap fête. Alors, merci. Et merci pour fidélité à émission Ramassé. Nous pas oublier tout que le syndicat SPNH annoncé yon marche pour lundi parce que y a victime en pile. Gagne un porte-parole yoa qui révoqué. Et oui, nous t'étendons jeudi dernier dans l'intersection. Côté l'abdi, c'est en mission l'État gagne pour craser syndicat yon te fin by autorisation pourtant dans le ministère affaires sociales pour lui. Mais yon gagne mission pour yon craser. C'est ça que fait. Y a démantelé syndicat. Yo transféré très loin pour yo pas cap occuper activité syndicale yo alors que la police là a coupé en bas même problème yo pas gagné changé conditions et de travail yo toujours même gens salaire yo même gens donc tout problème qui te nécessité que yo te prend la rue en masse et population a te supporté yo les mêmes problèmes existent encore et m'ta ka dit dans une certaine mesure yo aggravé puisque nous wè nan quantité moun k'ap tombe yo en pile policier hier nous t'ap tande un inspecteur nan SPNH là qui t'a expliqué quantité policier non seule semaine li parlait de près d'une dizaine ces derniers jours que yo perdu donc c'est vraiment quoi du pour yo pendant temps ça l'état pas songé yo existé voilà donc yo compté marcher lundi vini là, rendez-vous kiosque de l'aéroport et de kiosque et dans Carrefour aéroport. N'a pas observé pause là, Lovensky jeudi, moi ouais invité au commencer arrivé. Merci pour diligence, n'a pas salué tout le monde qui d'une façon ou d'une autre collaborer dans l'émission ça Lovensky jeudi nous saluer Junino Kodak pour quitter nous Bédor Danaël déjà arrivé et puis nous saluer tout René Antoine Lerbou même si la distance nous saluer Fano Kabe nous saluer et photographe qui connaît et porter nous et qui compte avec nous Étienne Elénor et nous et voilà nous camper là merci n'a pas pause là n'a tourné tout à l'heure li pas pour longue pause là puisque il y a des invités déjà là et n'a pas le tourné pour suite émission hein. Bonne écoute à tous et à toutes.